Yo les Crows! Yo Diable! Salut Marina! Salut Romy! Coucou Cassie! Bonsoir Scare! Yo Mansigna! Hey Mini Sasa! Bonsoir Lily! Alors logiquement le micro est réparé. Hein. Ah oui, parce que je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. En gros, les lives que j'ai fait le week-end dernier, j'avais monté le micro à l'envers. Donc en fait je devais parler ici, voilà il était à l'envers en fait tout simplement, donc c'est pour ça que vous m'entendiez très mal. Là logiquement ça va beaucoup mieux, hein. Il a été remis à l'endroit. Bref c'est une belle bourde. Et bienvenue Sven, Sven Crow, bienvenue Sven Crow. Et ça... Oula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 l
A little walk and some fresh mountain air would be good for you. Plus, you could lose some weight. I'm working on it. I'm working on it. Look at him. We're finally here. Oh, it's wonderful. Bonjour, Gali. Ah, Gali, je suis content de te voir sur le live. Oh, looks like the moving company got here before us. So, let's get to work. Ah, ça fait vachement peur, hein. Je vais me coucher, moi. Non, c'est une belle entrée en matière, là, c'est cool. Ah, on joue directement, du coup. Hey, could you take those boxes inside, please? Sure thing, hon. Ah d'accord, donc on emménage dans cette magnifique demeure, chapitre 1, Home Sweet Home. Ah, on a un puits, ça c'est bien. Alors, nous voilà donc chez nous. Alors, effectivement, le jeu est vraiment joli, pour le coup, très beau travail. Donc voilà, putain, hey, vous savez quoi, ça me fait penser à la maison de... ça me fait penser à la maison de Conjuring, The Conjuring, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, très jolie maison en tout cas. Donc on emménage ici avec notre copine ou notre femme. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait très scénario film d'horreur un peu. C'est really necessary to hold on to all of these shoes. Génial. C'est génial. Alors, où est-ce que je pose ça, moi? Où est-ce que je pose ça? Ici. C'est plutôt réaliste. Ok. Christmas déco. On a pensé à tout. Ah! Ah putain! Mais c'est bon? Mais non. Attends, c'était... C'était ça? Je crois qu'il fallait ça. Paul Hook for the Attic Stairs. Ah putain, mais ça débloque ça! Ah! Mon dieu! C'est pas vrai. Nickel. Et ben vous voyez, après 10 minutes de recherche intensive... Ah bah voilà. Allez, on y va. Locked. Ah merde. Hey sweetie, do you have the key for this? Check in the dining room. The dining room. Putain mais... Mais elle est où? Toshi est juste passé 10 fois devant. I don't see it in the dining room. It's not here. Right, I must have left them in the car. Ah. Et là, logiquement, le coffre va être ouvert. Putain, il y a trop de cartons dans cette putain de maison. Alors. Ah, bah voilà, putain de saloperie de coffre. Ah, bah voilà. Ah, putain, la clé. Ah, bah voilà. Key to the attic. Ah, bah putain, mais voilà. Ça y est, le jeu commence. On se met en condition, le jeu commence. Putain, on a enfin les clés. Let's go. Putain, 20 minutes pour ça, quoi. Non, mais c'est incroyable. Allez. Let's go. Bon, fais gaffe parce que souvent, dans ce genre d'endroit, ça me fait penser à un film d'horreur, d'ailleurs, je sais plus lequel, où le mec, il rentre là-dedans, il passe un briquet comme ça, et bim. Bon, sauf que là, il se passera rien, bien sûr. C'est marrant, il y a plein de détails. Oh, putain, c'est joli. C'est vraiment joli, là. Ah, une mallette. Il y a quoi là-dedans? Une hache. Est-ce que je peux la prendre? Non, je peux pas la prendre. Bon, le grenier a l'air safe. Pour une maison hantée, le grenier a l'air safe. Prends une boîte en bas et marche sur la planche. Oh là là, mais c'est quoi ce jeu là? Attendez. Comment veux-tu que je trouve ça tout seul, quoi? Je suis le seul à avoir galéré comme ça ou pas? Non, parce que ça me fait flipper là. Attends. Prends une boîte en bas. On va prendre une boîte en bas. Genre ça, la déco Christmas. Ok, faut que je ramène des cartons au grenier. Putain. Ok, let's put this box next to the others. Maman, mais c'est pas possible. Ah oui, non, mais c'est vachement réaliste. Ok, je viens de comprendre. C'est bon. Alors. Ah! Let's see what we have here. Bah voilà! Putain de plancher! Please let it be money.
Yes. Alors. Ah bah voilà, putain, les crocs, on y est arrivé. Oh, truc de fou, hein. Truc de fou. 27th of September, 1864. This place looks exactly like on the day I left it. So many years have passed away. Oh, je crois que ça commence Only à faire the overwhelming peur. Silence helps me distinguish past from present. Maybe the best would be not to think about it. I better check if everything is in its own place. It is getting late. I should find some candles to light up while there's still some light. They told me that it would be a good idea to start writing down everything. So be it. They know better than I do. Attendez, chapitre 2, attendez. Est-ce qu'on serait pas en 1800, je sais pas combien là? J'ai l'impression qu'on est revenu dans le temps. Regardez, 1864! On est revenu en 1864? Mais on est plus du tout au début du jeu là. Oh là là! On est en 1864! Bon, par contre, il fait très noir là. Wow. Là, il y a quoi là-dedans? Oh! Oh, ça c'est bon ça! Oh, ça c'est bon ça! Putain, on a une. Ah, on a une lampe torche. On a une. On a une. Ah putain, comme d'amnésia! Une. Bref, vous voyez. C'est comme d'amnésia. Une lanterne, voilà. Oh, allez, c'est trop bien fait là. Ok, on monte à l'étage. Je me sens pas du tout rassuré. Il doit y avoir une espèce d'exorcisme ici. D'avoir une espèce de truc chelou là. De démon ou je sais pas quoi. C'est Green Lantern. Attends. Pourquoi on se retrouve en 1800 là? Et comme dans Amnésia, il te faut de l'huile. Ah merde! Bon, ça va, j'en ai pas mal là. Ah, des petites bougies. Ah non, je peux pas les allumer. Ok, bon, faut que j'aille. Ah, faut peut-être que j'aille là. Attendez. Là. Ah non, putain, y a pas encore de crochet. Ah, je peux pas aller dans le grenier en 1800. Oh putain. C'est quoi ça? Pourquoi ça sonne? Qu'est-ce que ça toi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une musique qui vient de s'enclencher là, mais horrifique quoi. Est-ce que je dois passer ici? Eh, j'avoue que pile au bon moment, la musique s'enclenchait, ton don était parfait, Mini, c'est ça. Oh, ça me suit du regard ou quoi cette merde là? Non, c'est moi qui psychote. J'en sais rien, j'ai juste envie de passer en fait. Je peux pas passer. Qu'est-ce qui se passe? L'horloge. Tic-tac. Pourquoi il y a tic-tac? Tu faisais pas tic-tac tout à l'heure. Là. Là. What the hell was that? Oh putain de sa mère, c'est quoi ça? I think it came from upstairs. Ça vient du haut. Il y a des bruits. Oh putain. I thought that this window had been fixed. Mais non, je l'avais fermé. Putain, je les avais fermés. Vous avez fermé les crocs. Hey, who's there? Putain. Are you lost? Il y a toujours un croc qui me fait flipper dans Who un jeu de rôle. Courage Toshi, on est vraiment des monstres, j'avoue, mais c'est trop drôle. Tant que ça vous fait rire, les crocs. Romy, 20 euros, merci beaucoup, Romy, pour ta générosité, merci.
Et diable, merde, désolé, c'était moi le pro. Non, vous avez remarqué, attendez, non, là je fais pause. Il y a toujours un putain de croc qui me fait peur dans un jeu d'horreur. Ils sont partout. Vous jouez un jeu d'horreur, vous aurez forcément un corbeau qui va vous faire peur. C'est incroyable. Bon, du coup, on a une silhouette vraiment chelou, vraiment flippante là, près du puits. Elle bouge pas. C'est une femme, elle est comme ça, avec un truc dans les mains, elle te regarde. Et elle te regarde, mais genre flippant, tu vois. Oh, on va aller voir. On va aller voir. Putain, c'est flippant de ouf. Elle est plus là, bien entendu. C'était sûr. Putain, pas de screamer, s'il vous plaît, pas de screamer. Hello? Anybody? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hope it didn't fall down that well. Je n'espère qu'il n'est pas tombé dans le puits. Quel putain de jour de merde. Je vais essayer de checker la zone. Ah bah voilà, là-bas, attends, ça s'est illuminé là. Ah, ça s'est ouvert. Merci Kaichu. Et plouf, a pu le monsieur. On va pas tarder à le recroiser à mon avis, attention. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là, beaucoup d'objets de torture. Là, une pince. Je prends. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Faut s'équiper les crocs, faut s'équiper. Il faut qu'on s'équipe contre ce démon. Ah, de l'huile, parfait. Ok, ah, on y va. J'ai pris la meilleure arme du cabanon. Eh, j'ai pris la meilleure arme du cabanon. Hein. Il peut arriver là, il peut arriver. Screw it, I better go back home. This guy gives me the creeps. Attendez. C'est moi. Non, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un à la fenêtre. J'ai vu quelqu'un à la fenêtre. Non, il a disparu. C'est même certain. Je suis pas fou. Il y avait quelqu'un à cette putain de fenêtre. En fait, mon cerveau a mis du temps à réaliser qu'il y avait quelqu'un. Ok, d'accord. Bon. Du coup, on a chopé une pince. Ah, ça peut... Ok, ça peut péter des chaînes. D'accord. Putain, non. Oh, il est là. On n'a pas peur du noir, on a peur de ce qui est caché dans le noir. Bouh! Merci beaucoup, Gali. Merci beaucoup. Attendez, vous êtes prêts, les crocs? Est-ce que vous êtes prêts? Va dire bonjour aux voisins. Bonjour, voisin. Bonjour. Who are you? What are you doing in my house? C'est pas possible. Je vais juste chercher mon... Ah non, on va m'enfermer. Ah putain, m'enfermer. Je voulais prendre mon truc de cuisine, là. On n'a pas une arme. Putain. Bonsoir, putain. C'est quoi ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce putain de jeu là? Oui, bien entendu, t'as cru que j'allais rentrer là-dedans, mais oui! Mais t'es fou toi! Alors attention au monsieur, attention au vilain monsieur, la petite bougie qui fait plaisir. Putain! J'aime pas ça! De l'huile, ça j'aime bien. Allez, on a une arme. Ça va être une fourchette VS. Putain, scare. Trop tentant des os. Bon, je sais pas si ça va lui faire peur, mais j'ai une fourchette dans les mains. Donc attention.
Ah ah. Bon, cette maison est clairement hantée, je crois. Hein. Waouh, il y a du sang ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non. Merde, j'ai plus d'huile. Oui. Ah. Elle peut m'y ? T'as cru que j'ai été aidé, mon gars ? Oh putain de merde, mais c'est horrible. Dégage, sur le prix de planche. Oh, j'ai pas envie de descendre là-dedans, les crocs. J'ai pas envie de descendre là-dedans. What's going on here? Oh rien, non, c'est juste... c'est rien. Oh, salut toi. Ça va mon pote? Vous êtes vraiment des sadiques, hein. Mais vraiment. Vous n'avez aucune pitié, c'est incroyable. Merci les Crozes, hein. Merci Minisasa, Romy, Mansinia, merci à vous. Hein. Putain, un peu de calme, ça fait du bien. Un peu de calme. Alors, où est-ce qu'on est? On est au sous-sol. Hein. Ouais. Alors. Eh, ce jeu est flippant, les crocs. Vous en pensez quoi, là? C'est quoi ce putain de run de merde, là? Mais si, toi. Je sais pas où je suis, c'est un truc de fou. Oh là, mais c'est immense en fait. D'accord, c'est super grand. C'est tout crouche. Je me crouche. Putain, je le scie ou pas, les crocs. Ça va pas, ça. Quand je scie ou pas. Oh, c'est quoi ce visage là? Coucou? Hello? Regardez, il y a des traces de sang, là. New entry in the diary. Bon, ce qui est chiant, c'est que c'est en anglais. Je suis désolé, Croz. Hein, je peux pas... Je comprends rien. C'est ça, le problème. Le problème, c'est que je n'ai pas de notion anglais. Pense à Manil, la boîte à outils. La boîte à outils. Ah là, ah putain, c'est là. Oh, c'est là. Yes, alors du coup... Oh, c'était quoi ça? Je sais pas. Alors attends, du coup, j'imagine que dedans, il y a ce qu'on cherche. Yes, on a ce qu'il faut. Allez, on remonte. On remonte, on remonte. J'ai laissé ma lanterne allumée. Oh. Et merde. Je vois rien.
Oh putain. Oh là là, alors attendez là. Attendez. Ah, d'accord. Yes! Merde, pourquoi j'ai ouvert cette porte en fait? Oh! Attention, j'ai quelque chose! C'est quoi ce truc? Ah putain! Oh! Il est là, il est là, il est là, il est là! Il est là! Non! Allez, viens là, saloperie! Je t'affronte, démon! Je t'affronte, démon! On va allumer le plus de bougies possible. Oh, il y a une clé là! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est fini. C'est la fin, les crozons, on l'a fini. Ah non, non, là j'avoue que il y a du lourd là. Là il y a du lourd. 2019, ça va, j'ai un an pour m'en remettre. J'ai un an pour m'en remettre. Et imaginez quand le jeu va sortir. Imaginez quand le jeu va sortir, je vais devoir me taper ça pendant 8 heures. Une démo de 30 minutes qui a duré 1h30 grâce à Toshi, merci. Et ben voilà. Moi, ça aura été le mérite. Ça aura eu le mérite d'être long. Bon, bien. Ah. Il y a tellement de potentiel, putain. Très bon jeu, les crosses, très bon jeu. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là parce que j'en peux plus. 22h40, ouais. Alors... Il y aura une rediffusion de cette vidéo sur YouTube d'ici demain ou samedi. Demain ou samedi. Voilà. Du coup, il y aura un live demain. Demain, il y aura certainement un live, les crozes. Je sais pas encore sur quoi, mais il y aura un live. Et puis voilà. Alors, je tenais à vous remercier pour vos dons. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, bah merci pour votre... générosité, les crozes, hein. Merci à vous, merci de m'avoir suivi ce soir. Jeu très intense, j'ai vraiment bien aimé. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. J'espère surtout que ça vous a plu. Puis je vous donne rendez-vous demain. Passez une très bonne nuit. Moi, ça va être très compliqué. Merci. Et puis à demain, les crozes. Je vous fais des bisous. Je passe sur le Discord pour modifier un machin là. Ciao.